Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Starband 1.1.1. Alors, le caca des égouts, c'est le nom de l'épisode précédent. Ok. Je trouve des noms super, c'est épique. Et on descend sur cette planète type volcanique pour trouver un autre château glitch. Espérer y trouver l'item requis par notre ami le... Ça va, elle est à peine agressive cette planète. Ok, notre ami le... Lilotte, pardon. Hop. Hop, ça prendra, je t'ai timé toi, c'était... Ah cool, j'aime bien ce biome. Géode B, pourquoi pas. Géode Trousers, je vais pas l'équiper par contre celui-là, j'aime pas. C'est juste pour avoir des petites bubules partout, c'est pas la peine. Ah, je m'en doutais. Je l'ai senti qu'il y en allait avoir quelque chose, un truc dans le genre. Je sais pas pourquoi. Je l'ai complètement senti. Ce sera donc la lumière géode. Ok, pourquoi pas. C'est cool. C'est cool, c'est cool. J'aime beaucoup ce biome. Hein. Il est vraiment différent des autres. Alors, la suite. J'ai l'impression qu'il est aussi assez pacifique finalement. Ah, c'est des. Comment, des Neon Melon. Hop, qu'est-ce que c'est que ça? Géode Masque. Si tu veux, c'est juste histoire de le mettre. Histoire d'avoir les yeux verts. Voilà, c'est dit. Ok. Alors, est-ce que c'est un nouveau biome? Est-ce qu'il a été implanté dans la 1.1? C'est possible. Je sais que la 1.1.1 c'est en fait principalement des bug fixes et la correction de certaines nouveautés. En l'occurrence, vous avez remarqué quand on avait. Oh merde, ça c'est pas bon. Quand on avait entamé la 1.1, on avait accès aux collections qui en fait étaient vides et voilà. Donc normalement, on devrait pouvoir en retrouver certaines au niveau de la bouffe, tout ça. Donc, on verra si c'est véritablement le cas ou pas. J'ai pas l'impression personnellement. Mais en principe, ça peut, on peut dire corriger, mais presque. Donc ça marche. Pas de problème. Oh tiens, petite blague. Alors je crois que ça s'appelle Laza, mais alors je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, c'est une espèce d'institut sur la... attendez, je vais quand même retrouver la chose en question. Parce que là c'est quand même assez intéressant. Parce que certains d'entre vous trouvent que j'ai trop ragé sur... Enfin que j'ai trop ragé. J'ai été un peu méchant avec... avec comment ça s'appelle, No Man's Skies. Mais quand j'ai... Donc principalement quand j'ai dit que... il ne tenait aucune de ses promesses ou très peu. Je ne suis pas le seul à le penser. Déjà je reprécise que je ne suis pas le seul à le penser hein, véritablement. Hop. Attends, je vais vous trouver ça parce que là c'est assez grave malgré tout pour eux. Alors attendez, le temps que je rouvre mon application. Faut absolument que je vous en parle. Parce que ça c'est quand même l'aboutissement de quelque chose qui n'est pas normal dans l'univers entre guillemets du jeu vidéo. Et bon, s'il veut bien me balancer le menu, voilà, c'est bon. Non, je n'en veux pas de ta vidéo. Voilà. No Man's Sky, parce que voilà, je l'avais là, de toute façon. Hop, je l'avais pas loin, je l'avais épinglé. Alors. Non, je veux pas voir la vidéo. Arrête. Ah putain. Jeu de merde. Enfin, application de merde. Voilà, le bureau de vérification de la publicité. Comment qu'ils appellent ça? Alors, attendez, là, faut vraiment qu'on en parle, ça, c'est grave. Comment qu'ils appellent ça? LASA, le terme original, c'est... Donc, c'est le bureau britannique de la publicité, hein, donc le Advertising Standard Authority. Voilà. En gros, une plainte a été ouverte, comme quoi le jeu avait fait, entre guillemets, de la publicité littéralement mensongère. Vas-y. Boum. Ah non, ça l'a pas tué. Boum. Je sais pas si ça l'a tué. Littéralement donc de la publicité mensongère, c'est-à-dire que le contenu disponible dans les vidéos de promotion du jeu ou dans la campagne marketing du jeu, tout ce qui, enfin, ou simplement des choses dans la campagne marketing du jeu étaient fausses, mensongères ou autres. Waouh. Quoi?
la lave. Là c'était dangereux de faire ça, Marcus. Hop, et ça coule. Ah, il y a des serpents, des petits poissons de... espèce d'anguille, c'est quoi ça? Smoke machine. Oui. J'adore ce truc. Absolument que j'arrive à le poser quelque part. Regardez ça. Hop. C'est la fête. Donc vous voyez, il faut absolument quand même... faut absolument choper l'objet, le poser et le scanner. C'est extrêmement important de le faire. Si vous voulez que ça marche. Si vous voulez pouvoir le... fait que 10 de dégâts, c'est bon à savoir malgré tout. Ok. Un petit coup de soin, cela dit. Donc voilà, oui. Bah, va y avoir donc une enquête ouverte si, pour voir si oui ou non le marketing de No Man's Sky était mensonger, ou en tout cas si le contenu de leur vidéo était, était bel et bien bien présent dans la sortie originale du jeu. Et alors il y a déjà des gens qui se sont prononcés entre guillemets, c'est que actuellement en plus ce bureau là britannique n'ouvre d'enquête que s'il y a vraiment des choses qui ne sont pas bonnes. En fait, ils ne sont pas là pour enquêter mais plus pour terminer l'enquête entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, si des autorités déjà estiment que le jeu n'a pas ne correspond pas à ce qui a été présenté dans ses vidéos ou dans son marketing, le bureau ensuite ouvre l'enquête pour entre guillemets passer ça à la vitesse supérieure et pas pour véritablement faire l'enquête. Donc bon, voilà où on en est. Donc littéralement légalement. Alors là, il y a forcément quelque chose. Cet endroit est juste génial. Si j'ai truqué un seul bloc, ça passe pas, d'accord, ok. Ok. Je nous explique qu'il y a une physique. Je nous explique qu'il y a une physique. Ok, c'est cool. Hop. Ok, c'est bon. Résolu, chers amis. J'ai quand même ma flotte. J'ai peur que tout se casse. Non, c'est bon. Ok, c'est juste pour ça. Pourquoi pas. On les a pas encore testés, cela dit. Ça ressemble bizarrement à des Hadouken, je trouve. Ok, casse-toi, merci. C'est pas plus mal ce que t'as fait, moi j'aime bien. Alors, ce n'est pas un homme que je m'attendais à trouver. Hop, boum, toi t'es mort. Donc, sur une planète volcanique, mais pourquoi pas hein. Ça rend joli. Ça rend joli. Alors, la suite. Est-ce qu'on peut trouver, s'il vous plaît, une structure, quelle qu'elle soit. Ça serait vraiment cool. Hop, les deux d'un coup. On a du talent. Hop. Des carottes, ça m'intéresse qu'à moitié. Alors, est-ce que tu vas me pondre une structure ou pas? Hop. Alors. Ok. Bon, ça passe pas. Il faudrait vraiment une arme avec une plateforme en fait, ça c'est tout con mais. Ou alors les grappins, oui, c'est sûr, tout simplement. Mais faudrait que je les construise. Vous avez raison. Hop, je vous entends dans les coms. Prends le grappin. Vous avez raison. En fait, j'agrippe le grappin puis je me transforme en bouche, je trouve que ça passe.
persuadé que ça passe. Est-ce que je l'ai celle-là? Oui, cette rune-là, je l'ai. Okay. Par contre, c'est pas le genre de structure que je réclame. Désolé, mais... Hop, merci. Il était pacifique, mais c'est pas grave. Ouais, non, c'est pas le genre de structure que je réclame du tout, ça, les mecs. Moi, je voudrais un château glitch. S'il vous plaît. Ah non, pas ça. Quelle horreur. J'ai pas de bol. Pour changer. De la bouffe. Il en faut du pain pour... Hop. Tiens, s'il y a un truc qu'on trouve pas aussi, c'est des Steam... vous savez, les Steam Pack verts. Pour accélérer. Si couplé à ça, ça pourrait être sympa. Hein. On gagnerait du temps. Vous voyez la longueur du truc. Vous savez qu'à un moment ou à un autre, on va devoir rentrer là-dedans, je pense. Enfin bon. Hop. Ok, on y va en douceur, vous savez le truc. Je vais juste esquiver la petite flamme, la flamèche. Ok. Hop, doucement, Marcus. Doucement, juste du réflexe. Hop, c'est bon. Ça passe bien. Ça se fait tout seul. Ça brûle de partout. Alors. Ok. Ça passe. Là, c'est un bloc complet, du coup. Ah, ça veut pas. Sans doute à cause du fait que j'ai le... Comment, le wall, hein. Le wall climbing, enfin le wall jump, pardon. Parce que oui, en fait, si vous appuyez sur la touche en avant, vous pouvez être collé au mur. En fait, il va vous coller au mur plutôt que continuer à monter. C'est vraiment très technique. Hein. Très bien, alors ça, je voulais éviter, mais c'est pas grave. Et quelques pixels. Ça doit marcher aussi assez bien, je pense. Vous allez voir, ça doit être assez efficace au principe, puisque vous faites ça et vous faites ça derrière. Là, le double heal doit être assez imposant. Soyons honnêtes. Ça vaudrait presque le coup de se prendre des dégâts dans le nez. Il y a un paquet de campeurs dans le coin, dis donc. Bienvenue dans le désert, merci, écoute. Sympa. Hop, ok. Ok, on a le Lunarang cette fois-ci qu'on n'avait pas. Ah si, on l'a déjà. Bon, c'est pas grave, je croyais qu'on sait un autre qu'on avait. Mais apparemment c'était bel et bien le Lunarang, donc on doit avoir les deux blancs en fait. Le Lunarang et le Frozen aussi. Vous voyez? En fait ça passe juste, mais c'est juste qu'il faut vraiment le faire au bon moment. Hop, merci de revenir plus tard. Hop, oui, toi aussi. Hop. Ok. Est-ce qu'il y aura un château glitch ou pas là-dessus? Oula. Fais attention quand même à ce que tu fais. Ok, ici nous avons la tenue de Bédouin. De Bédouin, pardon. Alors, est-ce que je l'ai déjà? Est-ce que je l'ai pas déjà, cette pierre? Non, j'en ai une autre. J'en ai une autre. Le bol, je le récupère. Ça, je dois mal récupérer aussi, mais je sais pas où est-ce que ça va aller. C'est un outil, normalement ça devrait aller là-dedans. Ouais, c'est bon. Hop, on est quand même bien full là. Ah bah, parfait. Alors, commencez à faire attention. Bon, par contre, là, ça m'embête qu'il y ait si peu de structures sur ces planètes. C'est pas du tout ça que je recherche. Failli. What? Seigneur du feu! J'aime. Oh que j'aime. Oh que j'aime cette armure. Oh là là. Oh, je sens que ça va être stylé. J'espère que le casque est pas loupé. Loupez pas le casque, s'il vous plaît. Boum. Ils l'ont bouffé celui-là. Oh la vache. On dirait que j'ai été touché aussi à... sans doute. Par leur saut, mais
fait mal à mon avis. C'est limite si j'ai pas tiré une roquette au cac. Ah non, c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai tiré une roquette au cac, bien Marcus. Je suis sûr qu'en extrême ça te tue ça. Enfin bon. Oh bonjour. Ah c'est violent. D'accord. Salut. Tout ça pour 105 pixels. Ok cool. Si quand même. Puis c'était tout seul, ça c'est bizarre. J'imagine que les flammes les ont bien démolies avant en fait. Parce que je crois que les flammes touchent tout. Hein. Ok non bah tout maintenant vu qu'elles touchent font pas de dégâts au sol. Dégage. Voilà, la petite poussette dans le dos, vous savez. Ah hop, c'est bon, j'ai fini. Hop, vous deux aussi, c'est pas grave. Et ok, on a fait le tour. Eh ben, on remonte. Donc, on a pas de bol. On a littéralement pas de bol. Bon. Il a augmenté la capacité du réservoir. Et l'efficacité du fuel de 10%. D'accord, ok, bon, bah, c'est cool. On a une deuxième planète de type volcanique, on va y aller. Et je vais essayer d'aller virer un petit peu de mon inventaire. J'avais déjà commencé à faire. Hop. Hop. On a qu'à dire que c'est déjà pas mal. Ok. Et ici, est-ce que je peux virer d'autres choses? Genre. Déjà tout ça. Oui. Là. Je suis déjà full. Ok. Bon, déjà ça tenu. Hop. Crac. Ok, c'est vrai. Bon. La suite. Hop, est-ce qu'on est arrivé? Oui, on peut donc descendre. On descend. Hop. Ok. Alors. Y'a rien là-dedans. Ah, tiens, ça faisait longtemps. Oh merde. Hop, j'ai l'impression que c'est moins mortel qu'avant la lave. Ce qui ne me plaît pas forcément parce que ça a changé une mécanique. Ça me plaît. En fait, non, ça me plaît. Ne vous inquiétez pas. Non, ça va. Honnêtement, ça va. Ça pouvait. C'est mieux maintenant. Alors, vous vous demandez sans doute pourquoi je fais ça. En fait, si je fais baisser le niveau un petit peu de lave, quand il va y avoir l'équilibrage, je vais sans doute pouvoir. M'arranger un petit truc. Hop, merci. Dommage, avant tu explosais pas, toi, complètement. Hop, voilà, je me suis arrangé un petit truc. Peut-être plus pratique comme ça, effectivement. Là, on va y retourner parce que c'est cool. Question. D'accord. Alors, sauf que je crois que c'est peut-être le truc qui fait, en fait, qui permet en fait d'avoir le. C'était plus pratique en fait ce qu'on a fait avant, mais c'est pas grave. Ah non, c'est pas ça. Fire Lord! Ouh! Ça va, c'est pas trop moche. C'est pas trop moche. Je m'accorde à dire que je vais crever, oui, effectivement. Merci de le préciser. Hop. Ok, c'est bon. Ouais, c'est là ce qui me semble. Hop. Allez, on va devoir faire vite là. Hop, c'est bon. Ok, ça passe. Oh, encore un de ces biomes. Oh, alors lui, pourquoi tu restes immobile et tu es abruti? Oh, par contre, t'as rien donné, je suis vexé.
Le mec, c'est une cible facile, il donne rien. C'est dégueulasse. Ok, un petit peu de soie supplémentaire. On prend vraiment plein la poire. Vraiment, si que je pense à refaire un tour sur une planète de type Ocean pour pouvoir faire le plein aussi de flotte. Surtout si on va aller faire le tour des planètes de type volcanique. Je pense que ça va être une nécessité. Ok, c'est bon, on y va. Hop. Hop. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Un diamant. Enfin, deux diamants plutôt. Un petit peu d'argent, c'est cool. Un petit peu de solarium, c'est encore plus cool. D'accord. Je crois que je l'ai déjà. Je l'ai déjà. Je prends les javelins parce que voilà. Toi, pourquoi t'es immobile? Stupide. Restez pas immobile. Hop, dégage. En fait, ça bloque plein d'ennemis ce truc là. Parce que je suis sûr que Roti Charge, ça les bloque aussi. Ok, je suis pas sûr. Finalement. Ok. Ok, c'est bon. C'est pas le bon village que j'ai trouvé, c'est dommage. J'ai envie d'essayer quelque chose du coup. J'ai envie d'essayer quelque chose. Non, je suis pas diabolique. Aïe. Je vole rien. Bon, ils vont me mettre coupable alors qu'il y a de la lave qui leur tombe sur le nez, c'est pas de ma faute. Bon, d'accord, c'est peut-être un petit peu de ma faute. Je vous aime pas. Vous comprenez ça? Je vous aime pas. Pourquoi je n'aime pas les Floranes? Alors, parce que ça, c'est une question qui revient tout le temps, mais j'y réponds souvent aussi. Pourquoi je n'aime pas les Floranes? Parce que tout simplement, les Floranes sont en fait les rebuts de l'univers. Plutôt que d'avancer par eux-mêmes. Ils volent les technologies des pays, des entités qu'ils tuent, les formes de vie intelligentes qu'ils anéantissent, ils en volent les technologies et les idées, tout ça. Et ensuite, ils les utilisent contre vous pour vous tuer encore mieux. Enfin, d'une meilleure manière, on va dire. Enfin, je sais pas si on va dire de meilleure, en fait. Ah bon, vous voyez le truc, quoi, c'est débile. Moi j'aime pas des gens qui, en fait, sont des parvenus, quoi. Ils ont rien fait d'eux-mêmes, finalement. C'est leur est venu comme ça, puis dans la bouche, quoi. Enfin, après avoir tué des... Il y a pas de recherche, quoi, il y a pas d'intelligence. Ils tuent sauvagement. Et derrière, après, ils font, bah non, mais... Hé, attends, quand t'as buté, c'est ta vue. Oula! Ce monstre est une saloperie. Lâche-moi! Oh la vache! J'ai manqué de... Il y en a un autre là-haut. Ce monstre est une saloperie. J'ai jamais vu ça. What the fuck? À tuer dès l'instant où on les voit. Ok, pourquoi pas. C'est parti. Des arbres de lave, c'est cool. C'est pas des arbres brûlés, hein, c'est des arbres littéralement de lave. De lave, pardon. Toi, tu meurs aussi. Pas mort. J'aurais voulu passer à travers le sol, le mec là. Et mais mes pieds ne sont pas sur le sol. Mes pieds s'enfoncent dans le sol, c'est ça le truc que t'es en train de me dire, Parce que s'ils s'enfoncent dans le sable, c'est complètement stylé. Hop. Ok. Une pyramide, donc ce n'est pas bon. Où est-ce que de tomber? Ah, quoi que, attendez. C'est bon, c'est qu'une pyramide. Là, il y a un avian qui se fait agresser. Je t'ai sauvé la vie, tu me fais rabais? Non, va te faire foutre. Va te faire foutre. J'ai pas le droit à mon rabais, c'est pas normal. Meurs. Alors là, vous voyez. Boum. Apparemment, ça lui a fait mal. Ok. On va trouver un coffre dans ce biome. Non. Si. Hop. Cool. Le lit, je crois que j'avais déjà. Non, je l'avais pas. Le problème, c'est que j'ai fait tellement de commandes série sur ce jeu que je sais plus ce que j'ai, ce que je n'ai pas. Hop. Récupérer un petit peu
d'eau magique, de healing water. Un tout petit peu. Vous savez que je l'utilise pas. Mais j'adore ce truc. C'est du bacta pour moi. Pour moi, c'est extrêmement important. Alors, normalement, dans ces trucs-là, il y a de la vie. Hein. Il y a des gens, un marchand, un petit marché à Vianne. Mais bon, apparemment, j'y ai pas droit aujourd'hui. Deux fois de suite. Parce qu'il est inondé. Hein. C'est juste parce qu'il est inondé. Ok, pourquoi pas. Alors, le petit. Aïe. Le petit, comment qu'il s'appelle? C'était un. Merde, un Pokémon là. Dracolos. Ouais, je crois que c'est ça, Dracolos. Putain, j'ai oublié le nom de Dracolos. Enfin, j'ai oublié la gueule, c'est bien Dracolos. Ok, c'est pas grave. Le petit Dracolos qui, lui, me dit. Rien du tout. Non, toi, je t'aime pas. Cassez-vous! Ouah, ça pue! Ça pue, chers amis. Ah, la vache, peut-être par le haut. Lâchez-moi! Merde! Ok, c'est bon, j'en ai eu un. Allez, boum! Boum, c'est bon. Fiou! Oh, je stresse, dis donc, ouais. J'ai envie de mourir bêtement, moi. Je crois qu'il y en a un autre qui arrive en plus. Hop! Avec remarque, j'aurais sorti ça, ça aurait peut-être été plus efficace. Bon, c'est pas grave. La hache. C'est sympa ça, il y a des vrais trucs dedans et ça a pas l'air. Ah si, c'est un petit peu rouillé, c'est dommage. Ah, je préfère que ce soit pas rouillé du tout. C'est tellement stylé. En mode pas rouillé, ça ferait tellement magasin. Remarque, il y a moyen de faire un mode zombie maintenant. Faire un truc avec des zombies et il y a carrément moyen. Honnêtement. Light 1, j'ai lequel? Moi j'ai Light 2. Je garde Light 2. Reste pas immobile, c'est le meilleur moyen de crever. Je parle d'expérience. Il y a un truc en dessous. Ok. M'intéresse. Enfin, ça m'aurait intéressé si c'était pas été si compliqué à atteindre. C'est. Ah bah. Ah bah, ah bah, ah bah bien, bien les filles. Si ça me pète à la gueule, je le sentirais, je l'aurais vraiment mal. Et bourrin alors, c'est pas la peine. J'ai envie de dire que ça me pèterait à la gueule. Je pensais que ce truc, en fait, je pensais que le truc allait désactiver, mais non, finalement non. Ok. Un piaf là aussi. Ah! Alors là, là faut prier. Oh, j'ai raté. Boum. Boum. Hop. Oh! Oh, sa dernière flèche qui me touche! Ok, allez, on y va. T'as pas l'air fin quand même. On va dire, mais. Hop, parfait, on l'a eu. Oh là là, non, la porte. Oh mon dieu, une porte! Que dois-je faire? Je vais pas faire passer le sort à travers la porte. Quel dommage! Quel dommage! J'essaye des choses. J'essaye des choses. Non, passe pas. Et... Oh, le cheval qui se rebiffe. Le cheval qui se rebiffe. Ça, c'est pas la meilleure.
Alors j'ai l'impression qu'on a encore une fois le même. Et que du coup il y aura pas dedans. Eh merde. Alors je sais pas du tout où est-ce que je suis censé en trouver. On va bien voir si la deuxième partie c'est la même ou pas. Mais alors là pour le coup, je ne sais pas du tout où est-ce que je pense. Salaud. Ramasse ton épée. Voilà. Je crois que la deuxième partie c'est la même aussi. Donc je ne sais pas du tout parce que je t'en sors trop. Et c'est la dèche, c'est la dèche, c'est la dèche. Donc apparemment il y a deux types de châteaux différents quand même, hein, je précise. Mais apparemment celui qui se passe avec plein de ponts comme ça, il n'y en a pas dedans. Il faudrait que je trouve le premier type de... Ah merde, il passerait vers les murs en plus le cas. Zappé. Aïe, c'est pas grave, au moins on l'a eu. On peut le premier type de château qui existe dans le jeu, et apparemment ce serait dans ceux-là. Alors attendez. Sur tous ceux que j'ai vu depuis le début de la série, je crois que. Enfin de cette saison là. Je crois que j'ai vu que les jeux. Je veux dire. Ça pue un peu du cul. Ça pue un peu du cul. Voilà, sinon il faudra peut-être que je trouve une tour, peut-être dans les tours, vous savez, avec les rois dedans. Il y aura peut-être quelque chose. Allez, je ne suis pas sûr. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça a été complètement rempli de trash. Ça peut être intéressant d'aller visiter. Allez, on y va. On tente. On tente. Je suis curieux, hein. Il doit bien y avoir un truc, je pense. Je vais essayer. Ok. Hop, t'es mort. Parfait. J'ai eu un doute, hein. J'ai cru que j'allais me bouffer quand même une salve avant, mais non. Mais non. Poupou. Les mines. Alors ça. Ah oui, c'est vrai, elle se déclenche pas. Amical, on est d'accord. T'es sûr? Ah bah si, c'est stylé en fait. J'ai pas envie de mourir. Eh bah on est pas passé loin cela dit. Boum. Ok, la... Progresse. Oh, j'ai raté, je suis désolé. J'espère que tu me pardonneras dans l'au-delà. Ok. Bah c'est cool comme endroit finalement. Cool, chaud, lavé. La petite blague. Ah oui c'est vrai, c'est toi. Hop. Bon, on a résolu. Hop! Parfait! Oula, ça en fait de la fumée d'un seul coup ici. Ah, on est suivi, j'avais pas fait gaffe. Hop, merci de revenir plus tard. T'auras grandi. Et ça, ça ressemble étrangement à notre lieu de départ. Avant de mourir, Marcus! Remonte, profite du soin de tes coéquipiers. Bon, bah c'est dommage. Pourquoi j'ai un double heal? Il est peut-être venu me piquer, je crois. Je crois qu'il a dû venir me piquer en fait, dans l'urgence. Ok. Bon. Eh ben on aura toujours pas trouvé ce qu'on cherche. Hein. C'est vraiment dommage. Eh ben écoutez chers amis, du coup merci d'avoir laissé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner.
rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom, dont vous trouverez le lien dans la barrière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas encore une fois à commenter si vous avez vu sur quelle planète vous avez vu l'objet en question pour Lilotl. Je serais ravi de pouvoir aller jeter un œil. Encore une fois, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, en espérant que je ne sois pas malade la prochaine fois. Salut !